Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Amram, Yonaben Khanapegi Bateser, Zabat Mazaltov, Jishporti, Shimon Batloni, Michael Novikov. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot, Perik Gimel, Mishnah Yudalef. En homme dit mon tour, Elabem Makot, Aruyot, Le Hishtalesh. Amadou le Kabel Arbaim, la Kamikzat, Vamrouche, Elo Yachol le Kabel Arbaim, Patour. Amadou le Kabel Shmona Esre, Michel Akam Rouche Yachol le Kabel Arbaim, Patour. עבר עבירה שיש בה שני לבין. המדור עומד אחד, לוקה ופטור. ואם לאו, לוקה ומתרפא, וחוזר ולוקה. On va commencer par revoir le pasuk qu'on apprenait hier. Dans parashat qui t'étsé, perek chafé, mishna, pasuk gimel. ארבעים יקנו לו יוסיף, פן יוסיף להקוטו על אליהם הקרבה ונקלה הפיכה לעיניך. Le pasuk vient nous met en garde d'attention. Je t'ai ordonné de frapper 40, ou comme on apprenait que c'était plutôt 39. 40, tu le frapperas. Lo yosif, tu n'ajouteras pas de coups. La Torah nous met en garde, ne lui mets pas un coup supplémentaire. Pourquoi ? Pen yosif le'akoto al elle makaraba. De peur que tu vas ajouter un coup supplémentaire. Pen yosif, de peur qu'il va ajouter. Yosif le'akoto, de le frapper. Al elle sur cela, sur ces 40. Makaraba, un coup trop violent, au point où Venikla achicha le'enecha, et ton frère va se rabaisser devant tes yeux. Soit la Torah au sens simple d'abord me met en garde et me dit attention, je t'ai dit le frapper 40, mais 40 et pas 41, ou 39 et pas 40. De peur que si tu vas lui mettre un coup supplémentaire, ouais, et ben il risque tellement de s'affaiblir au point où les muscles de son ventre, de sa vessie, ne vont plus tenir et il va faire sur lui, il va se rabaisser de trop, comme on évoquera, comme on l'apprendra dans les prochaines Mishnayot. D'accord ? Donc au sens simple, je dois le veiller à le frapper. Notion très importante. Tout d'abord, je n'ai pas de mitzvah de le tuer lorsque je frappe. Il faut juste que je le corrige. Et que je le corrige au point où il va encaisser les coups, mais pas au point d'être affaibli jusqu'à risquer de faire sur lui, d'accord, de se rabaisser de trop. Donc de là j'apprends, je vais déduire de là une halakha très importante. D'abord, c'est une notion préliminaire avant d'arriver à notre Mishnah. Tout d'abord, si toutefois on va avoir affaire à une personne qu'en recevant même 25 coups, on va l'évaluer qu'il est relativement faible, frêle, d'accord. S'il va recevoir 25 coups, c'est fini. Un gars comme ça, il va commencer à... Il va plus pouvoir se retenir, il va complètement. Alors là, on va nous dire, ben non, tu vas pas arriver jusqu'à 25, tu vas t'arrêter avant, d'accord. La Torah a parlé certes du cas où on lui donne 40 et me met en garde de ne pas donner 41, mais il en va de même en réalité que, comme ce qu'on apprenait selon le Rambam, ça s'explique très bien, le Rambam qu'on a porté hier, que la méthode de frapper 40, il n'y a pas un din de frapper 40. Il y a un din de le frapper bien, de le secouer. Et jusqu'à 40, il y en a qu'en 3 coups, 6 coups, on va résoudre le problème. Il y en a d'autres, d'accord. On accomplira la mitzvah de frapper, parce qu'il n'y a pas un digne de donner, même si on va prendre, on va dire des psukim, on va dire ve'ur achum, et plein de choses intéressantes, mais il n'y a pas ici un tikkun à faire spécial de frapper forcément les 39 coups, selon Rambam, c'est encore mieux, plus clair. D'accord. La mitzvah de frapper, jusqu'à 40. Donc, on a un grand intérêt, en tout cas, à ce qu'il ne se dégrade pas de trop devant toi, au point où il ne va plus pouvoir se retenir comme ce qu'on apprenait. Petit rappel maintenant d'une notion qu'on apprenait dans la Mishnah précédente et qu'on reverra plus amplement dans la Mishnah Yud Gimel. Les coups qu'on lui donnait étaient en fait des triplés de coups. Soit quand je te dis de lui donner 39 coups, en réalité c'est 13 fois 3. Tu dois donner des triplés de coups, épaule droite, épaule gauche et la sangle qui arrive sur le torse qui frappe de devant, par devant. D'accord ? Cette notion de frapper en triplé est tellement importante que lorsque les deux notions maintenant vont entrer en interaction, soit on va évaluer que cette personne est capable de recevoir 20 coups uniquement, mais pas 21, parce que 21, il va faire sur lui. Alors, la Mishnah nous enseigne « En omdin oto ela bemakot hare uyot l'ishtalesh » On ne l'expertisera, l'évaluera uniquement en lui donnant des coups capable d'être les hishtalesh, de la possibilité de l'envers des shlishim, de le diviser en 3. Soit on ne va lui donner un nombre de coups qu'un nombre qui est divisible par 3, afin de lui dire 1, 2, 3,
4, 5, 6. Soit, dans notre cas, on a dit qu'il était capable de d'encaisser 20 coups, mais pas 21, parce que 21, il va faire sur lui. Donc, il est capable de donner 20. Question, combien on va lui donner concrètement ? 18. Parce que 18, c'est divisible par 3, ça fait 6. Si je ne me trompe pas, 6 fois 3, ça va faire 18. D'accord ? Alors que 20, ça ne divise pas par 3. Notion claire ? C'est ce que la Mishnah nous enseigne. En omdin oto ela bemakot haruyot leishalesh. On ne l'évaluera, on évaluera le nombre de coups plutôt qu'on doit lui donner. Ela bemakot haruyot leishalesh, qu'un nombre de coups qui est capable d'être divisible par 3. Et la Mishnah continue et nous enseigne. Amadou le kabel arbaim. On a estimé qu'il était capable de recevoir 40. Bien sûr, c'est pas 40 puisque c'est pas divisé par 3. Il faudrait dire 39. Comme ça, c'est expliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on lui donnait les coups, il y avait là-bas le médecin du Beth Din, la Kamiktsat, Vermro Shaino Yachala Kabel Arbaim. Il a commencé à recevoir. Déjà, depuis même le 4e, 5e coup, on a commencé à voir qu'il était en train de trembler anormalement. Il était sur le point de lâcher le paquet. D'accord ? La Kamiktsat, et on a frappé un petit peu. Vermro, et là-bas, les juges ont estimé que Shaino Yachala Kabel Arbaim, il n'est pas capable de continuer celui-là. Pas tour, on s'acquitte, on s'arrête là. On va pas dire non, tu sais quoi, viens, on va faire une pause, t'es arrivé à 5, on a dit qu'on allait arriver à 18, va boire un petit café, fais-toi un petit jogging, retape-toi un petit peu, et puis viens, on va continuer à te retaper. Non. Une fois qu'on t'a frappé, on a dit, bon, t'es pas capable de continuer, puisqu'on t'a frappé, tu t'as acquitté. Si toutefois, précision importante, précisée par Nagmar, si toutefois, il a tellement eu les chocottes, il a tellement eu peur, que lorsqu'on a commencé à le mettre en position pour le frapper, et on lui a déchiré la chemise, comme on attendra dans la prochaine Mishnah, on a commencé à lui sortir la sangle, il a commencé à trembler, à faire sur lui par exemple, alors là, dans un cas pareil, puisqu'on n'a pas du tout frappé, il faudra malgré tout, on va lui dire, oh là, bon, va te reposer un petit peu, va te mettre en congé de maladie, reviens d'ici 2 semaines, et on l'a frappé, d'accord, parce qu'on l'a pas frappé, mais là, cette fois-ci, on l'a frappé, puisqu'on lui a donné quand même des coups, on s'est acquitté. Toujours en revenant avec le même Rambam, ça s'explique parfaitement, puisqu'il n'y a pas de digne de frapper forcément 39. Il faut bien le frapper, bien le secouer. On a réussi à le faire, on a mis quelques coups. On a atteint l'objectif. Il a bien compris qu'il ne fallait plus recommencer à faire des Averot. Et bien c'est bien, on s'acquitte par là. D'accord ? On continue. Amadou le Kabel Shumana Esre. Idem maintenant à l'envers. On a dit, oh, ce gringalet, il est capable de recevoir 18 uniquement. Alors on va lui donner 18. Donc on l'a estimé qu'il était capable de recevoir 18 coups. Michel Aka, et une fois qu'on a commencé à le frapper, c'était un gibor le petit. Il était tout maigre, mais il encaisse les coups. Un chaïd. Alors là, les juges ont dit, ah non. Michel Aka, depuis qu'on l'a frappé, Amrou, Sheyachol, le Kabel Arbaim. On peut continuer et monter jusqu'à 40. Qu'est-ce qu'on fait ? La Michel nous enseigne, non, ça y est, pas tout, on la quitte. C'est pas grave. On t'a frappé, on s'est pas trompé, l'essentiel. Toujours selon ce super Rambam, ça s'explique très bien, l'essentiel c'était de te frapper, bien te secouer, et finalement, avec le peu qu'on a fait, on s'est acquitté. Là, j'ai déduit, entre parenthèses, je viens d'y penser, je ne l'ai pas vu écrit, mais je pense que, à votre avis, quoi, pensez-y, d'accord, je propose mon... J'ai un chidouche. Qu'est-ce qui se passe? On a commencé à le frapper, et qu'il y a eu un problème technique, il a fallu s'arrêter. Est-ce qu'on reprendra maintenant? Lui, il s'est senti très bien. On ne s'est pas arrêté parce qu'il s'est affaibli. On a estimé qu'il était capable de recevoir les 18 coups. Quand on est arrivé au 6e coup, je ne sais pas moi, il y a eu un problème technique. Le plafond, il a commencé à s'effondrer. Il a fallu tout arrêter et se disperser. Puis après, on veut venir continuer de le frapper. Je déduis de là qu'il faudra quand même le frapper parce que cette fois-ci, il n'aura pas eu d'excuse qu'il a été rabaissé. Ouais, on avait une dette envers toi de te frapper 18 coups. Je ne sais pas, il faut réfléchir à la question. D'un côté, si on utilisera le Rambam, qui va nous dire non, l'essentiel c'était de le frapper, alors peut-être qu'on va dire non, ça suffit. D'un autre côté, on a peut-être un intérêt à bien le frapper jusqu'à la dernière limite. Et puisqu'on peut continuer et qu'on n'a pas eu d'expertise qui nous a dit qu'il n'était pas capable de les encaisser, alors il faudra éventuellement les lui donner. Je sais pas, il faut réfléchir à la question. On continue avec maintenant un nouveau sujet qui est à peu près la même idée. Avar Averash et Yeshbash Ne'elavin, il a transgressé une faute pour laquelle il est passible de 2 laves. D'accord ? Comme on apprenait dans une des Mishnayot précédentes, on peut transgresser avec un seul Telem Echad en faisant un petit sillon, 8 laves. Alors là, il a fait ça, il en avait juste 2. D'accord ? 2 interdits.
De ce fait, on l'avait averti, et il est donc passible de deux fois Malkout. Deux fois Malkout, ça signifie, tu dois recevoir deux fois 39 coups. Bien évidemment, ils sont rares les baraques capables d'encaisser autant de coups, et donc, on a fait une expertise, combien il est capable de recevoir parmi les deux fois 39, les 78 coups, combien il est capable de recevoir. Donc on a dit, bon, on l'a amené devant le médecin du Bet Din, et on a dit, évalue-nous combien il est capable. Donc, Amadou Omed Echad, ils l'ont estimé une expertise pour les deux Malkout en même temps, loqué ou pas tôt, il se fait frapper ce nombre de coups et il s'acquitte. On va expliquer dans quelques secondes combien exactement. Veimlav, par contre, si on ne l'a pas expertisé pour les deux fautes en même temps, mais que pour une seule faute, on a dit, ah, toi, t'es capable de recevoir 39, viens, on va te donner tes 39. Et ben, une fois qu'on l'aura frappé, loqué ou mitrapé, il sera frappé, on va lui donner après un mois de repos, qu'il se retape bien comme il faut, et après, il reviendra, on le frappera. On explique un petit peu mieux avec ce que la Gemara explique, rapporté dans le Tosfot Yom Tov, même dans le Barthénois, c'est rapporté déjà partiellement. Soit il a transgressé deux, c'est-à-dire en une action, deux averot. Sur cette même action, il a fallu qu'on le condamne, donc deux fois Malkout. Et bien, puisque c'est pour une seule transgression, un double Malkout, on va l'amener devant l'expert du Bet Din. Et l'expert du Bet Din va nous dire combien il est capable, parmi les 78 coups, d'encaisser. Et si il va dépasser les 39, soit il va nous dire qu'il est capable de recevoir 42 coups. Ah, 42 coups. Alors on va dire, bah, tu sais quoi, ça fait 39 pour la première Avera, et 3, c'est les Malkout que tu vas recevoir pour la deuxième Avera. Puisque maintenant tu as été frappé pour la deuxième Avera, tu t'es acquitté par cela. D'accord? Puisque c'était une seule faute. Par contre, si lorsqu'on est parti devant l'expert du Bedin, on a oublié qu'il y avait en fait deux interdits dans la même action. Donc l'expert du Bedin l'a évalué à 39 coups. Ouais, il est tout à fait capable d'encaisser les 39. On va le frapper, on va lui donner les 39. Et finalement, on va réaliser qu'il y avait encore un deuxième Malkout sur lequel il devait être frappé. Il y avait une deuxième transgression dans cette histoire. Et ben, on va le ramener devant l'expert du Bedin. L'expert du Bedin ne va pas nous dire « Ah, on va te donner juste 3 pour le deuxième. » On va lui dire « Non, toi tu es quelqu'un de capable de recevoir deux fois 39. Reçois déjà tes 39, va te reposer un petit peu, et reviens au bout de 2-3 semaines, on va t'évaluer de nouveau combien tu es capable de recevoir de la deuxième série. » Et le pauvre, eh ben, il va se faire massacrer. D'accord? Il va recevoir deux fois 39, ou pour la deuxième fois, il va recevoir 21 coups. Mais en tout cas, il aurait pu s'en sortir en lui donnant d'entrée les 42 coups. Et là, 42 coups, donc ça aurait représenté deux Malkout, étant donné que 39, c'est pour la première transgression, et 3, c'est pour la deuxième transgression. Et bien, puisqu'on ne l'a pas évalué d'un coup pour les deux transgressions, pour les deux Isurim, les deux interdits qu'il a transgressés, alors on va l'évaluer deux fois en le laissant à un intervalle pour le frapper deux fois. D'accord? On a fini la Mishnah, à présent le Barthénora. En omdin oto ela bemakot arudot l'ishtalesh. Le Barthénora nous dit, en omdin oto, chez kol alokin bebet din, tout celui qui est frappé au bet din, ayutrechin le omdan batechila, il fallait au préalable l'estimer, l'évaluer, l'expertiser au Bet Din, les Omdan, Omed. C'est une évaluation, Betrila auparavant, Shelo Yamutu Mahmata Akaot, afin qu'il ne meure pas à cause de ses coups. Midirtiv Lo Yosif, puisque la Torah a insisté à dire, la Torah m'a explicitement donné un interdit particulier d'ajouter un coup supplémentaire, en me dévoilant la raison, en me disant, Lo Yosif, tu ne le frapperas pas plus, de peur qu'il va se rabaisser et mourir. Donc, de là, je lui dis, je t'interdis de rajouter des coups. Mais si toutefois tu as besoin de diminuer, de donner moins de coups, eh bien tu pourras le faire et tu t'acquitteras aussi de la mitzvah. De la mitzvah de frapper. D'accord? Le Barthénois, il se ressort que le Barthénois a déduit explicitement du passage qui nous dit, tu n'ajouteras pas, que je peux donc diminuer le nombre de coups, je peux donner moins de coups crevus. Moins de coups que la Torah m'a requis de 40 fois. Et là, Bemakot Aroyat Leishtalesh, on ne lui donnera qu'un nombre de coups capables d'être divisés par 3. Ven Mosifim Le Rolam Alaomet. Grande règle qui va ensuite en découler de la Mishnah.
à jamais, on n'ajoute jamais sur l'évaluation qu'on a fait, l'évaluation initiale. Soit on a dit qu'il était capable d'en recevoir 18, si après coup on réalise qu'il est capable d'en recevoir encore plus, on n'en donnera pas plus. Si on avait évalué qu'il était capable de recevoir 40, bien sûr c'est pas 40 parce que c'est Arbaim Chaser Achat, 40 moins 1. Puisqu'on vient de t'apprendre qu'il fallait donner un nombre, il fallait donner un nombre de coups divisible par 3. Qu'est-ce que tu me dis qu'ensuite on l'a évalué qu'il était capable de donner 40, c'est pas 40, ça doit être 39. Alors maintenant on précise, Arbaim Chaser Achat. Et la Lishna des Granakat, seulement on avait utilisé la même expression que la Torah a utilisée, de nous dire 40, même si en réalité c'est 39. Amadou Medecha Adnishne Malkoyot. Là, c'est le cas où il a transgressé une action qui incluait deux interdits, donc deux Chiyuv Malkout. On a fait en une seule estimation, on a évalué pour les deux fautes en même temps, qu'il était capable de recevoir Kigon Amadou Lilkot Arbaim Mushnaim. On a évalué qu'il était capable de recevoir 42. Donc ça nous fait 39 pour le premier interdit, 3 pour l'interdit supplémentaire. Par contre, Veim Lav, si on ne l'a pas évalué chez Lohamdou et le Malkout Achat, on a oublié qu'il y avait deux transgressions en même temps. On s'est occupé que d'une première transgression et on a dit qu'il était capable de recevoir de 39. Après, on s'est souvenu qu'il y avait une deuxième transgression. Alors là, la Mishnah d'Ansa nous dit, eh ben, on lui fera une deuxième estimation après coup, après avoir donné la première série de coups. On évaluera combien, après repos, il sera capable d'encaisser pour une deuxième fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Netzach. Kol Tov, Salam.